Redevenue célibataire pour l'instant, Adriana Carambeu a partagé la vie du célèbre footballeur Christian Carambeu durant de nombreuses années. Interrogée à ce sujet, celle qui a conservé le nom de son ex-mari s'est confiée sur leur couple. Originaire de la Tchécoslovaquie, un pays qui n'existe plus désormais, Adriana Sklenarikova s'est révélée au grand public lorsqu'elle s'est mise en couple avec l'international français Christian Carambeu. Après s'être mariée au vainqueur de la Coupe du Monde 1998, elle a pris le nom de famille de son époux. Si le couple a vécu heureux durant de nombreuses années, il a cependant fini par se séparer. Adriana Carambeu a toutefois conservé le nom de famille du footballeur après leur divorce en 2011. De passage dans le podcast intitulé « Femme actuelle » mercredi 19 juillet 2023, l'ancienne mannequin s'est livrée sans concession sur le couple qu'elle formait avec son ex-mari. Quand mon mari a arrêté de jouer, il s'est mis à vivre à 300 à l'heure, et je n'arrivais pas à suivre. On s'est perdu sans le faire exprès. On n'arrivait pas à se retrouver. Nous n'avions plus de vie de couple. Chacun doit continuer son propre chemin. J'ai préféré partir pour ne pas tout gâcher, ne pas abîmer nos souvenirs, a-t-elle expliqué au sujet de leur divorce. Au cours de cette émission, Adriana Carambeu est revenue sur sa première rencontre avec celui qui deviendra son époux. Je ne savais même pas qui c'était, ce n'était pas du tout calculé. En plus, ma grand-mère m'a toujours dit, ne choisis pas un footballeur, ils ont les gens embarqués. Elle n'était plus là mais j'ai dit à ma mère, il n'a pas les gens embarqués donc ça va je peux y aller, a-t-elle souligné. Adriana Carambeu, plat de fin pour son émission avec Michel Simès sur France 2. Je lui ai dit, tu fais quoi comme métier? Il m'a répondu, je joue au foot. Et je lui ai dit, non mais pour gagner ta vie, tu fais quoi? Pour moi, ce n'était même pas un métier. Ensuite, il m'a dit, il y a une compétition de foot en France, si y est-il la finale, ça va être cool, viens. Je ne mesurais pas du tout. Si est-il dingue, a également ajouté Adriana Carambeu. Ambassadrice emblématique de la Croix-Rouge depuis déjà de nombreuses années, l'ex-femme de Christian Carambeu a exercé ses talents d'animatrice télévision sur l'antenne de France 2. En compagnie de Michel Simès, elle a co-animé l'émission intitulée « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur la chaîne publique. Le programme est malheureusement arrivé à son terme le jeudi 20 juillet 2023, avec la diffusion du tout dernier numéro de ce rendez-vous culte de France 2 en prime time.